Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battlefleet Gothic Armada 2. Et on est toujours en coop avec Katox. Salut Katox. Salut. Alors en coop mais avec quand même des lags hein. La dernière fois on s'est un peu fait défoncer le cul parce que bah en fait on avait une demi-flotte hein, faut dire ce qui est. Donc à la limite je préfère quand tu te fais déco en fait, c'est au moins c'est franc quoi. Ouais, au moins c'est clair, c'est voilà, c'est. Ça te laisse le temps de réagir, de te dire bon je maîtrise tout le monde. Du coup ce qu'on va faire là c'est qu'on va pas retenter tout de suite la mission spéciale, on va tenter un petit assaut standard. Et on va voir ce que ça donne, hein, tout simplement. Parce qu'effectivement ma connexion est un peu dans le mal ces derniers temps, donc ça c'est bien possible que ça vienne de là. Alors on attaque des Ravengard. Tiens donc. Ça faisait longtemps. Ils sont pas censés se faire éclater ceux-là. Bah il me semble bien ouais, qu'on leur avait un peu piqué les fesses pour parler poliment. Ouais, c'est vrai. Ah non, tu vois comment ça met du temps à charger, c'est clair, ma connexion est en train de crever quoi. J'arrive encore à travailler dessus, mais à mon avis, le jeu là. C'est un peu la mimirde. Ouais, ça. Ça dit, tu lags pas quand tu parles, hein, donc ça va. Ouais, le Discord tient bien, donc. C'est juste la synchronisation entre les deux. Ouais, possible. Alors, un dévoreur. C'est des points. Oh, on a le petit crachat avec nous. Il est pas mort lui. Eh non, il résiste. Du coup on a un champ de sport, un boulet de démolition ou un champ de sport et un canon à bave. Oh je te donne le mâchouilleur. Ça ira avec 4 vaisseaux à gérer d'ailleurs, parce que vu que t'as des dévoreurs. Tiens je t'ai oublié. Ça toi. Devrait aller. Je t'ai pas oublié. Bah sinon tu m'en files un comme tu veux. Moi je peux t'en filer un. Sympa la station spatiale en fond. Je sais pas si tu l'as d'ailleurs, mais. La grande, ouais. J'ai une très grande station spatiale en fond. Tiens, c'est donné l'Auguste. L'Auguste mâchoire. Parfait. Alors, comment ça va se passer? Bah. On rush les points. Ouais. Pour éviter de rusher les ennemis. On va partir les trois du même côté. Ah, on envoie même pas quelqu'un à droite? Bah, on va se prendre celui-là et celui-là. Celui-là, et puis celui-là. Et puis voilà. Ouais, on est bien ouais, déjà, t'as raison. Du coup, je vais directement avancer. Pourquoi j'ai que 3 vaisseaux? Voilà. Je vais avancer lui-là, ici. Sinon, on peut directement aller sur celui du centre. Ouais, j'envoie un petit vaisseau tout seul sur celui du milieu. T'as l'air d'être parti pour aller sur celui du haut. Moi je suis celui du centre avec le gros de la flotte. Il y a du peuple en face, hein. Il y a quand même 2000 de puissance, hein. Pas déconner. Mmh. On a un champ de sport, on l'envoie dans le tas. Ah t'en as un aussi. Ah oui t'en as un aussi. Ouais. T'es pas full life, Auguste Mâchoire, dis donc. Le grand crachoir non plus, tiens. Ouais, on a pas totalement récupéré. Ok, donc ils sont rentrés avant nous dans le point, et pourtant on l'a capturé avant, donc ça doit être tout petit vaisseau de merde qui est dedans. Petit crachat, tu vas peut-être pas non plus charger tout seul. On va se détendre. Ah le mec tu peux l'envoyer sur les petits du côté. Ouais je peux l'envoyer là-bas. Alors ok il envoie une partie de sa flotte vers ton point à gauche apparemment.
marquer le petit crachat. Strike Crusader. You have seized a strategic area. J'arrive à en viser un là, je n'arrive même pas à les voir quoi, putain. Voilà, un qui est derrière. Bam. C'est cadeau. Ça me fait plaisir. Ah, ils s'enfuient les coquins. Ok, visiblement ils ont envie de poursuivre le petit crachat. Putain, ils tracent hein, les cons. Ils en veulent au petit crachat. Hein. Impressionnant. Je vais changer d'angle de vue, hein. Puis on va lancer la charge. Choper le cul. Ah, ils sont vachement agiles leur vaisseau, hein. La vache, pour des Imperiums. Je suis sacrément surpris. Hein. Cette petite merde à gérer là. Ce que je veux dire, c'est le bruit des petits tirs de l'escorteur quoi qui font ding 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 quand on tombe dessus en ne faisant aucun dégât. J'ai l'impression qu'il nous balance des cailloux le machin. Ça des cure-dents. Même pas s'arrêter, passer à côté, on va défoncer, voilà. Bisous. Alors, il y a un autre mec qui se cache là-bas, et c'est pas un escorteur cette fois. On va régénérer un coup nos troupes. On va aller s'occuper des plateformes parce que baisser le moral de tout le monde pour le coup ça serait intéressant. C'est vrai. Je pense que ça vaut le coup de perdre un peu de temps de s'occuper de ça le temps que ces derniers vaisseaux se réveillent. Quoique tu me diras, j'ai juste besoin d'empêcher d'envoyer l'huile à dévorer. Et puis oui, le petit crachat sur l'autre derrière là. Et je pense qu'à nous deux, on va largement pouvoir s'occuper de... Allez, la forteresse ça va pas s'enfuir, tu vas pouvoir la bouffer tranquille. Voilà. Un coup de mâchoire c'est fini. J'aurais pas cru quand même. Ah
Ah, du coup, tu t'en occupes. On va rabattre le petit crash à part là. Il fuit. Ah, on a un renfort qui arrive. On a perdu quelqu'un. Oh, j'en ai replié un hein, parce qu'il servait plus à rien, il avait des mandibules éclatées donc. Parce qu'il est arrière, parfait. Parfait, du coup, il va pouvoir s'occuper. Ouh, il y a un gros tas, attention. Pas faire n'importe quoi non plus. Ils sont incapables de me tirer dessus parce qu'ils me voient pas, c'est abusé quoi. Je suis en train de les allumer à 2 mètres, ils peuvent rien faire quoi. Patron, on les voit pas, gars, vous êtes sérieux. Ah, ça y est, ils me voient, ça va déconner un peu moins déjà. Le giboyeux de l'infamie. Allez les gars, chargez là. On envoie la purée, on rate les conneries. Toi avec tes torpilles, change un peu ton angle de tir. Le petit crachat, il se pointe. Ah, ils ont même plus de tourelles pour tirer sur mes torpilles. Franchement, c'est presque triste pour eux quoi. Occupez-vous de lui. Non, il veut essayer de tuer le petit crachat. Salaud. Bon bah, voilà. Parfait. Bon, ça va, pas trop de lag du coup. Bah sur celle-là, non, ça a été. Bon, ça dit sur la mission spéciale, je pense que là on a déconné, c'est qu'on s'est dit on va tranquille. On va tranquille laisser. Comment ? Laisser la forteresse au loin tant qu'on se fait les vaisseaux, mais au final je pense qu'ils arrivent en boucle tant qu'on les a pas gérés quoi. Bah, est-ce qu'ils arrivent en boucle ? Pas. Ah, j'ai ouais, l'impression quand même, hein, t'as vu tout ce qu'il nous a balancé. Ah, on a perdu du coup la mandibule quand même, elle s'est fait buter, pas de chance. Ah non, ça, on réduit le coût d'évolution de chaque système. Oh putain, c'est de la merde. Du coup, on peut faire quoi? Un nuage de sport, un monde couveuse. J'ai presque envie de faire un monde couveuse. Histoire de se refaire direct. Allez, on va faire ça. Hop. De toute façon, on s'en branle un peu du blé, hein, soyons clairs. Ok, du coup on peut aussi lancer l'assaut depuis sur Cantrael. Qu'est-ce que t'en penses, à faire un peu de chaos là? Ouais. Tiens, j'ai pas... C'était... Il y a quand même beaucoup, hein. Ça fait quand même 3000. Ah bon, on a 3000 aussi. Hein. Mm-hmm. Comme ça on va voir si ça lag. De toute façon, faut qu'on assolte hein, à un moment. J'ai dit que je ne mettrais pas de flotte Vanguard, donc à moins que ça parte vraiment en couille, j'essaierai de ne pas le faire. Là on a quoi? Un champ de sport, deux champs de sport, une sport à écho, carapace à pointe, ok. Allez, c'est parti. Ouh, on a plein de gens, des Southern Sun, Lost et Emperor's Child. Bon, on a 3 cuirassés, 4 cuirassés dans cette flotte, hein. Ça devrait se passer je pense. Mmh. Ouais. Allez, c'est parti.
On lance un assaut généralisé sur Kadir. Pas s'emmerder. Bon, pour éviter les lags, je vais tuer que les dévoreurs. Ça t'en fait déjà 3. Ouais, ça va faire ouais, même presque 4, je ne tue que les dévoreurs. On a quoi? On a un petit peu de flotte, on n'a pas de tentacules tiens, dans cette armée là. Alors on n'a pas de champ d'astéroïdes trop proche pour se protéger, c'est dommage. Mais bon. C'est vrai que c'est assez plat, mais faut voir l'événement qu'on va avoir. Ouais. À mon avis, ça va être une bataille à événement. Ça sent le truc solaire là. Du genre. Oh, si c'est le cas et qu'elle arrive par le côté, on n'aura pas beaucoup de temps de réaction. Bon, ils font 3 groupes d'assaut qui contournent les astéroïdes. Tout. On n'a pas du tout d'objectif spécial, tiens. C'est vraiment... curieux. Tu as toujours un petit truc qui se passe. Ouais, c'est bon. Après, voilà, hein. Aléatoirement, pas d'objectif secondaire et pas de, voilà, pourquoi pas. Et du coup, effectivement, c'est 3 flottes différentes, donc ils font 3 groupes d'assaut différents. Chaos dans toute sa splendeur. Ah, je vais rater de peu avec mon verre, dommage. Ah, il y a 3 mecs qui viennent d'apparaître devant. C'est des petites merdes. Donc eux, c'est ceux qu'on va très vite défoncer du coup. Ils s'arrêtent peut-être. C'est pas ce qu'ils foutent. Bon, toi t'as quoi? Ouais. T'es directement foncé dans... Ouais, parce que voilà. La petite carapace à pointe, comme ça c'est fait. Oh putain, y'a deux gros trucs à l'arrière là. Anglais est fort vers l'arrière. Charge dessus ce con. J'ai réussi à le faire rentrer dans le champ d'astéroïdes pour me tuer ce con.
tu vas t'en occuper sans problème. On va donc commencer à charger ici. Classe hein, en violet comme ça. Ouais. Quoi, ça, c'est la neige ça? Je pense. Mais il résiste l'autre derrière, hein, à gauche. Ah, c'est un autre. Un peu le cuirassé, je suis d'accord. Il faudra se regrouper parce que là il y a de plus en plus de gens qui pop. Hein. Ah merde. Je vais me repérer avec celui de tout au-dessus là, parce que là, ça me fait perdre. Ils sont encore nombreux les trois gros là. Ah, puis c'est un vaisseau amiral le petit coquin là. Sur la tronche, ça devrait lui faire du bien. Ça, ça suffira largement. Il reste une carapace à pointe. Balancer sur cette tronche. Ah, fuck, je peux pas balancer. Putain. Mmh.
fasse rentrer dedans. Ah fuck. Ah là, tu me l'as poussé dessus, c'était la fin. Attends, il restait pas grand chose. Bon, tu n'y arrives. Un cuirassé contre une force à 3000, ça reste acceptable. On est dans une moyenne qui est de l'ordre du tolérable. Par contre, va falloir qu'on se construise un chantier de... quelque part. Hein. Ça pique un peu. À force de perdre des vaisseaux, un vaisseau à chaque système. Alors il a quoi? 50 et 100 points de dégâts, il va peut-être mourir aussi du coup. Putain, on est descendu à 322 la flotte. Ça va, il a survécu. Ah, je crois qu'ils ont perdu tout leur nom. Ah non, c'était le nouveau, c'était la nouvelle flotte, bon ça va. Ah, c'est peut-être pour ça qu'ils ont souffert, c'est des vaisseaux tout pourris, tout pas expérimentés en fait. Ouais. Du coup, faut qu'on prenne un nouveau chef. Bah, go. Bon, ça nous fait une flotte, un vaisseau pourri pour rien. Est-ce qu'on pourra prendre un cuirassé? Non. Ah, ça m'emmerde par contre ça. Donc, toi, tu vas gentiment dégager, révoquer le vaisseau. Hop. Par toi. Voilà, c'est mieux. C'est quoi ce bug ça? J'ai révoqué le vaisseau, ça a intégralement restauré, réparé tous les autres vaisseaux. Ah mais oui, il y a peut-être ça. Ah c'est oui, c'est vrai, on a un truc ouais, qui fait ça. Sacrifier un vaisseau pour réparer entièrement sa flotte. Ah putain, j'avais oublié ça. Bon bah, c'est pas si mal. On peut toujours pas faire de chantier ici, donc on va faire un bon couveuse, une fois n'est pas coutume. Hein. Est-ce que... Faut que je cherche un système avec des lunes. Pour m'intéresser, ça c'est quoi? Amas d'astéroïdes, ouais, c'est pas ouf. Hein. Ah, y a un amas d'astéroïdes à Kronstein, on peut envoyer une flotte en speed là éventuellement. Amas de planétoïdes, c'est mieux, exercice. C'est pas tout de suite. On pourra envoyer deux flottes s'occuper des Nécrons. Et la petite flotte à 800 à Cloudstein pour construire un chantier tout de suite. Ouais. Allez, faisons ça. Hop. Ce sera pas ouf, hein, 3 points de construction. Ouais, on peut rien faire avec 3 points de construction. Ah, on pourra acheter un cuirassé. Ouais, c'est de la merde en fait. Bon, tant pis. Oui. Et bah du coup, Elotas pour la suite. Hop. Par contre, on va arrêter cet épisode-là avant de lancer ce combat. J'espère du coup qu'il vous aura plu. Les lags n'ont pas trop été gênants sur ce coup-là. C'est plutôt cool. C'est bien passé. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, à nous mettre un petit j'aime si ça vous a plu, et du coup on se retrouve très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Salut.